Bonjour, bonjour. Je vais lancer TikTok. Mais j'irai sur TikTok. Vous savez, il y a les pays où croire même que son futur pourrait être brillant en restant dans ce pays-là, c'est dur. Il y a les pays où la foi, tu vis là-bas, ta foi attaquée jusqu'à toi-même, tu es dépassé. Ben dans tous les pays qu'on a la foi. Vous devez être très vigilant. Bonjour, bonjour. Que je transfère dans les groupes. Ok. Votre information, ceux qui sont dans les groupes que j'ai lancé ce matin, on fait un jeûne de 3 jours. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Je sais, quand je parle, c'est toujours pour certaines personnes, c'est comme si enfin, j'exagère. Ta vie dépend de ton statut émotionnel. Si tu dors, ta vie dort. Il y en a sûrement parmi vous, vous avez grandi avec une grand-mère ou une maman qui priait beaucoup. Et c'est vrai que parfois, moi, j'avais l'impression que ma grand-mère exagérait. C'est maintenant que je suis adulte que je comprends. Il y a une bataille perpétuelle qui se mène, que vous devez mener sur votre destinée. Et si vous dormez, ben devinez quoi? Votre vie va dormir. N'attendez pas qu'on vienne vous motiver.
Au contraire, je vous dis toujours, soyez exigeant. Demandez plus de la vie. Demandez plus de la vie. Tu peux avoir une éthique de vie qui te... Une vision de la vie où tu te dis, bon voilà, je peux vivre dans un monde où les gens respectent leurs paroles. Ce monde existe. C'est juste que ta vibration n'est pas encore alignée avec cette vibration-là. Bonjour Dorcas. Et tu peux te retrouver attaché, enchevêtré dans des situations qui font que tu n'arrives pas à quitter de cet endroit que tu ne veux plus pour aller là où tu veux. Ton esprit ne doit pas abandonner. Tu vois, tu es dans le rêve, non? On a de t'appuyer. Mais ton esprit en train de dire le rêve que je veux, non, je vais mourir. Non. C'est là que tu commences à comprendre que non. Mon esprit est en train de se fortifier. Ma prière à votre égard aujourd'hui, pendant que nous prions, c'est que le Seigneur vous donne le discernement. Que pour vous, vous puissiez allier la spiritualité avec la vie de tous les jours et votre réussite. Qu'on ne vous frustre pas. Et surtout, que les personnes qui vous avaient attaché soient exposées. Et nous détruisons les chaînes qui vous retenaient, les chaînes qui vous empêchaient de vous marier, les chaînes qui vous empêchaient de lancer votre business. Il y en a parmi vous, vous êtes censé être dans 3 pays. Après le live, tu es dans ton rêve, on t'a montré les gens qui t'ont attaché. Tu étais scandalisé de savoir que ce sont tes proches, dont tu ne pouvais pas imaginer. Mais pas quand il prie chaque jour là, vous pensez toujours que je n'ai rien à faire. Bonjour ta, n'est-ce pas? Et pas son temps dans le direct ici là, je bavarde, wow, wow, wow. Les gens viennent raconter leur histoire, que c'est ma grand-mère qui m'attache, que c'est ma mère qui me bloque. Donc tu penses que toi tu es à part, n'est-ce pas? Tu es spécial. L'ennemi vous calcule. Et avant que tu ne te rendes même compte qu'on te calculait, ce qu'on t'a déjà attaché jusqu'à... Il y a les gens qui partent dans les églises et se font attacher. Tu deviens l'esclave du pasteur. C'est pour ça que je fuis. Je n'aime pas l'idolâtrie ou bien la servitude ou bien... Il y a un décret sur ça que je n'aime pas moi. Tu viens, tu fais n'importe comment, il te dit seulement que non. Tu veux me respecter, je me respecte. Mais ne viens pas commencer à me donner tes chaînes que prends, attache-moi. Oui, voici la corde de mon pied sur mon cou. Voici la hausse, voilà le bout de la corde. Tiens, tire-moi. Non, tu ne me verras pas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Joyeux anniversaire. Je déclare dans votre vie la lucidité. La lucidité. Que tu vois les gens pour qui ils sont.
que tu voyes le vrai visage des personnes qui t'entourent. Et si je te disais que, quand tu es attaché là, le fait que tu ne sois pas bien, c'est déjà le résultat de beaucoup de nœuds sur ta vie. Il y a des pays où j'arrive. Tu vois, à 4 heures, ils se réveillent, ils mettent des baffles, ils jouent des prières sur le quartier. Ils sont en train d'assujettir les esprits des personnes qui sont là. Nathaniel, bonjour. Ils sont en train d'assujettir les esprits de ces personnes déjà. Donc la domination sur votre esprit, c'est en fonction du pays, en fonction de la ville, en fonction de ta propre famille d'où tu sors, en fonction des gens qui t'ont élevé. Vous voyez un peu? Peut-être vous pensez que vous débloquez là ces petites affaires. Sans compter tes ex qui t'ont bloqué aussi. Lion Rouge, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Que le Seigneur vous donne la grâce de vous décider pour sortir de là où vous étiez, pour entrer dans votre destinée. Mettez la main sur les yeux comme ça. J'enlève les écailles qu'il y avait sur vos yeux. J'enlève les écailles qu'il y avait sur vos yeux. Parfois, tu restes comme ça. Soudainement, tu te rappelles comment on t'avait violé quand tu étais petite. Comment on te bloquait quand tu étais petite. Dieu te montre que donc, c'est comme si... Attends, je vais répéter ça. Rien ne se passe de nouveau. Tu as payé depuis le 4 juillet. Je travaille toutes les 3 semaines. Donc, parfois, tu payes. Si tu payes le 2 juillet, je vais travailler sur l'enfant le 29 juillet. Tu as compris? Tu as compris, non? C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous tombez sur ma page, ne vous pressez pas pour payer un de mes produits ou services. Si tu m'écoutais dans mes vidéos, tu saurais. J'enseigne plus que je ne travaille sur vous physiquement. Parce que le premier travail, d'abord, c'est dans votre tête. J'enseigne pour que ta foi s'ouvre. Et quand tu m'écoutes, ma soeur m'a dit que c'est ma soeur qui t'a dit m'a donné ton numéro. Je viens d'arriver. Je te dis non. Vois les arnaqueurs qui utilisent ma photo. Oh Seigneur. Voilà maintenant, vous ouvrez les portes de, vos portes sur le net avec ma photo. Quand tu viens dans mon direct, mettre ça. Donc tu restes un jour comme ça là. C'est comme s'il y a une lumière qui vient sur toi. Tu dis que mais j'ai 42 ans aujourd'hui. Comment je me rappelle aujourd'hui de ce qu'on m'a fait à 15 ans? Comment? Parfois, tu vois comment on a bloqué ton enfant en ta présence. Que c'est la femme là qui était venue. Elle avait toujours insisté pour nettoyer mon fils là en premier. Et dès qu'elle est partie, mon enfant a commencé à tousser un jar. Depuis le temps, là, on dit qu'il est autiste. Le diable a ses agents. Et il y a des gens qui n'opèrent pas à temps plein pour le diable. Ce sont les intérimaires. Je suis au Burkina actuellement. J'ai des bureaux. Si vous voulez faire un lavage, un nettoyage énergétique, peu importe le service, consultation, partez dans mon travail. Partez dans un de mes bureaux. Quand je viens, je suis venu au Burkina ouvrir. Quand j'arrive quelque part, celui qui me suit, il veut quelque chose, tu passes sur place, on te soigne. N'attends pas que, oh, je veux te voir spécialement. Je ne vais pas me diviser en 50 000 morceaux pour vous.
Tu restes comme ça là. Que la personne avait fait l'intérim, elle a fait les overtime. Il y a des gens qui font les heures sup chez le diable. Les gens font les heures sup chez le diable. Pour toi. La personne apprend que tu vas accoucher là. Ah, bientôt la couche. Non, attends, non. Je vais venir t'aider à laver le sol. Je suis à Ouaga. Pardon, il y a mon numéro. Prenez le numéro, vous écrivez, vous demandez. Celui qui veut me voir, va me voir. Pour me laisser. Te laisser, laisser. Vous allez commencer à me poser la question que tu es où, tu es où. Cherche le numéro. Si tu n'as jamais écrit sur un de mes numéros, ne viens pas me voir. Je viens pour les gens que je soigne depuis longtemps. Vous vous connaissez. Ne venez pas pour votre sorcellerie me déranger. Il y a les gens qui... Parfois, quand tu regardes, tu ne comprends pas pourquoi la personne a fait. Mais il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils sont sur vous. On sait que ta grand-mère t'aime trop. On peut toujours mal parler de toi à la grand-mère. Ce sont les intérimaires du diable là-bas. Ils font le overtime. Bonjour Yvette. Il y a l'affaire de business. Quand tu fais le business dans une rue, tu prends 10 millions, tu mets sur la marchandise. Tu ne prends même pas 200 000 pour travailler sur toi et ton business. Tu es bête de chez bébête. Tu prends 500 000. Tu prends un petit kiosque, tu mets la marchandise. Tu ne travailles pas sur toi. Tu es fou. Je vous dis moi les réalités. Je n'ai pas besoin que vous ayez un accord avec moi ou pas. Tu me suis depuis des années et tu bois le jus. On te promet, on ne te dit, tu ne reçois jamais. Quitte. Désabonne-toi. Vous aimez faire les choses à moitié. Si tu tombes sur ma page et que tu m'aimes, lave ton sel. Ne t'abonne pas pour voir si je vais te convaincre. Il y a une qui me témoigne une fois, elle me dit, ça fait un an et demi qu'elle a commencé à utiliser les produits que je vends. Et faire les prières et tout ça. Dans son service, elle avait fait un concours deux fois pour être inspecteur. Elle n'obtenait pas. Elle dit que deux jours avant l'examen, c'est comme si elle était devenue bête. Elle ne retient plus rien. Souvent, elle arrive au bureau comme ça. Elle voit les fétiches en bas de sa chaise. Ouais, les bureaux. Annie, clique dans le lien qui est dans la bio. Tu passes sur contactez-nous. Si tu écris là-bas, c'est que tu es dans le bon WhatsApp. Tu attends, on va te répondre. Là, si tu es parti sur les pages d'Anacœur, il y a des gens qui ont ma photo sur leur profil. Et ils vous disent que c'est... Il y a des gens, ils m'ont mis ma photo. Et mes vidéos. Elle a fait le premier kit fondation. Le groupe Roi et Reine 5. Il y a un anaqueur qui a créé un groupe Roi et Reine 5. Annick. Si tu es tombé sur l'anaqueur, il t'a mis dedans. Laisse-moi. Tu as compris? Tu as compris?
Il y a Nana Cœur. Et dans son groupe, il a beaucoup d'abonnés. Ne vous dérangez pas, c'est le diable. Le diable doit faire son travail, non? C'est pour ça qu'il fait ma part. Le diable doit faire son travail. Vous vous levez, vous dormez, vous dormez. Tu penses que la personne qui te bloque est en train de dormir? Quelqu'un capable de se lever à 3 heures, il jeûne sur toi. Elle a le visa, pourquoi? Elle ne part pas. Hein? Tu crois? Elle est enceinte, pourquoi? Tu accouches, enfin il meurt. Dormez. Dormez, hein? Vous avez suivi? Dors, tu fais l'amour, tu te réveilles, tu te tournes, tu fais encore l'amour. Je vous ai dit que mes numéros sont sur ma page. 237 693 50 22 66. Si tu es un peu intelligent, tu prendrais un de mes numéros, tu pars, tu travailles avec, tu écris. Mais comme vous êtes paresseux, vous attendez que l'arnaqueur vienne. Bonjour ma fille. Ah, je vois un truc sur ton front là, il faut qu'on enlève. Ce n'est pas moi. Va lui donner ton argent. Peut-être qu'il va t'aider. Bon, je continue ce que je disais. Et les arnaqueurs là, ils ont mes photos sur leur profil, ils ont mes vidéos. Si je ne tombe pas sur une page, tu me vois en direct sur la page. Parce que ce n'est pas ma page. Je suis en direct sur toutes mes pages. Madame dit qu'elle arrive souvent comme ça au bureau. Elle voit. On a attaché des choses en bas de son chaise. Donc on met en bas, tu ne peux pas voir. Tu peux t'asseoir ça même 2 jours, 10 jours. Qui regarde le bas de sa chaise? Qui regarde le bas de sa chaise? Là, les chaises qui sont chez vous, là, vous avez regardé, la dernière fois, vous avez regardé le fond, c'était quand? J'annule les incantations qui ont été faites contre vous. Toute personne qui s'est déguisée comme un ami, comme un frère, comme un père, comme une mère, pour venir te bloquer, j'expose la personne et j'annule ce qui a été fait sur ta vie. Je te montre la bataille dans laquelle tu te trouves. Et je t'apporte les outils dont tu as besoin. Il y en a parmi vous que vous êtes en train de... C'est comme si ton esprit revient à toi. Tu te rends compte que telle personne te manipulait depuis des lustres. Que telle personne te manipulait depuis des lustres. Et donc elle l'a. Oui, elle l'a. Donc mon ami qui voulait toujours venir me voir, elle, j'enlève la bêtise de votre esprit. J'ouvre vos yeux. Il y a un homme ici là, tu es manipulé par ta femme. Elle pratique sur toi. Tu n'es pas en train de regarder ceci par hasard. Toute télécommande qu'elle a mis sur toi. Tu sais que... Parfois, tu peux rester comme ça. Tu connais que quelqu'un te manipule. Mais tu es là. Oh, Seigneur. C'est l'autre là qui me fait mal. Tu connais. Ma soeur chez qui je dors, c'est là. Qu'elle dort là-bas la nuit, mon ventre. Parce qu'on te vampirise. La nuit là, le nombre d'entités sur toi. Après, à la fin, tu dis que ah, je vais faire comment? Tu peux encore, tu te couches bien dans le lit. Tu mets bien ton ventre. Tu tournes bien ton ventre que percez par ici le tout-ci. Recevez la force. Recevez la force. Pour vous lever.
Recevez la force pour avoir la sagesse et le discernement. Merci, Odile. La dame a pris le kit fondation. Commencez à faire. Elle est repartie faire le concours. Donne-moi tout là. Je vais tout parler. Donne-moi tout. Tu mets ça sur la langue. Tu mets dans ton eau. Tu te laves avec le sel. Elle a passé. Quand elle passait, je prends ses collègues en train de dire. Maintenant qu'elle est à passer là, est-ce qu'on va encore respirer ici? Donc les gens qui sont hey, tu es là. Josiane, tu es arrivée. Ça là, c'est 10 000. Il y a les pays où c'est 12 000, il y a les pays où c'est 15 000. En fonction du transport et la douane qui me dérange. Quoi que ça là, en France, 35 euros, hein. C'est un peu plus grand que ça, mais c'est 35 euros. Le kit fondation, si on t'envoie au Congo, je crois que tu vas peut-être payer 150 dollars. Hein. Je pense. Ça, sur Abidjan, il y a pour 15 000, il y a pour 25 000. Il y a le grand, l'autre est un peu plus gros que ça, 25 000. Je vous redonne mes numéros. Le numéro d'Abidjan, 225. Sept. 79. 02. 52. 05. Merci Ouattara. Pour le Cameroun, c'est le 237 693 50 22 66. On n'espère pas. On est sûr de me voir. Quand vous dites que j'espère te voir, si tu espères, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Elle vit. Si tu es en France, tu vas acheter le produit. Si tu pars dans ma boutique TikTok, tu peux voir le donne-moi tout là-bas. Oh, c'est 40 euros là-bas. Tu peux prendre le numéro du Cameroun, tu payes. Donc, on a eu des soucis avec DHL pendant au moins 3 mois. Donc, ça a été résolu. Donc, on peut désormais envoyer vos colis plus rapidement. Il y a des gens qui ont payé des colis depuis mai. On n'a envoyé pas la poste du Cameroun. Il y a une autre dame qu'elle avait une boutique. Quand elle arrive le matin, elle voit les trucs qu'on a versés au sol devant la boutique. Il y a une nouvelle gamme de produits que je suis en train de vous sortir dans maximum 3 jours, ce sera prêt. Pour les business. Pour Kinshasa, il n'y a pas de numéro. C'est seulement le numéro pour le M-Pesa. Donc, contacte le numéro du Cameroun que j'ai donné. Ils vont parler avec toi. Au moment de payer. WhatsApp, dans tous les pays, vous écrivez sur WhatsApp, non?
Je ne peux pas quand même aller dans 50 pays faire 50 points de vente maintenant. Pour le Gabon, c'est le 074 18 00 80. 074 18 00 80. Elle dit qu'une fois, elle a fait 3 mois sans passer dans sa boutique. C'était l'employé qui partait ouvrir le matin et ferme le soir. Tu imagines? J'ai un local au Gabon. On fait les soins au Gabon. Le jour où il y a votre consultation, vos soins, quand vous arrivez dans un de mes locaux, vous pouvez vous asseoir là-bas. Je vais vous consulter par vidéo. Quand il y a les soins à faire, si je ne suis pas dans le pays, vous arrivez, vous allez dans la salle de soins, je vais travailler sur vous à distance. Il y a des pays où je peux arriver. Parfois, je passe au Gabon, je fais 4 ou 5 semaines avant de revenir. Vous n'allez pas attendre. Donc, si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il n'achète pas mes services. Il y a des personnes qui prennent les... qui pratiquent pour pouvoir anéantir tous les autres business de leur rue. Je vous dis souvent ça. Tu vois, quelqu'un, il a l'abonnement annuel chez les tradis praticiens pour bloquer tout le monde dans sa rue. Même si tu ne fais pas la même activité que lui, hein. Ce n'est pas genre, ok, on a 5 restaurants, que les gens viennent manger chez moi, non. Tout ça passe, c'est que même s'il fait le restaurant, tu fais la quincaillerie, que tu ne vendes pas. Et quand tu pars bloquer les gens, ou bien quand tu pars prendre l'autorité sur les gens, tu ne peux pas évaluer la portée. Tu ne peux savoir, ok, l'homme, c'est là, comme il a voulu bloquer les autres business à côté, ça va sélectionner seulement les restaurants, ça va laisser... les vendeurs d'habits. Non. Attendez, je bloque une personne ici, là. Vous aimez les églises, je ne suis pas dedans. Elle dit qu'un jour, après 3 mois à la maison, elle s'est levée. Et elle dit qu'avant ça, elle partait tout le matin, elle versait le sel, elle brûlait l'encens, elle ferme. Elle partait à 6h, elle vivait 6h15, elle ferme. Là, quand l'employé vient à 8h, elle entre et travaille. Vous négligez beaucoup vos business. Beaucoup. Tu as une activité au pays, tu as abandonné. Les 15 000 euros que tu as mis dessus là, tu simplifies ça. Hein? Seigneur, je m'accorde avec les personnes qui sont ici, les propriétaires de business, même s'ils ont la marchandise à la maison. Toute sueur de leur front qui est devant eux actuellement, ils n'arrivent pas à vendre. Qu'au son de ma voix, ils se réveillent de tout sommeil financier. Tout sommeil physique, tout sommeil spirituel, tout ténèbres dans lesquelles on les a plongés pour les empêcher d'être actifs et vendre leurs produits ou leurs marchandises. Business que tu as déposé, tu n'as plus la force pour parler que aller remettre la marchandise là en ligne pour qu'on vende. Tout c'est la force, hein? La force spirituelle. Bonjour Reine Laure. Pourquoi tu restes comme ça?
Le dernier agent que tu avais, tu as acheté, tu as pris le local, tu as déposé la marchandise. Même aller ouvrir ton copes. Je vous ai dit que j'ai lancé la promotion de lavage. Le traitement, c'est 10 000 au lieu de 50 000. Jusqu'à 12 heures. Là, il est 7 heures ici. Au Cameroun, il est sûrement 8 heures. Envoyez vos photos. Donc là, je vais ajouter à ça lavage business. Donc lavage business, je vais faire ça avec le cerclage. 20 600. 10 000 pour le lavage et 10 600 pour la protection et le relancement du business. Précisez, parce que quand ils vont mettre vos photos, je dois classer sous par catégorie. 20 600, c'est un truc comme 33 euros, 32 euros. Écoutez, Dieu ne tire pas la gloire quand tu souffres. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Mais quand tu restes comme ça, tes choses ne marchent pas. Et parfois, vous savez que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup, vous savez. On te dit impôt de ceci, création d'entreprise de cela, plaque de ceci, étagère de cela. Toute personne qui a un magasin ici connaît. Les gens qui font le business au Gabon, je ne sais pas comment vous faites. Le Gabon te suce l'argent. Taxe foncière. La taxe sur le logement là que tu payes en... Si tu fais un contrat de deux, taxes sur habitation, ils ont un nom pour ça. 20 000 par mois pendant 3 ans, on te demande de payer ça. Ah. Je viens vous protéger. Vous allez prendre le sel. Je vais m'assurer que maximum dans une semaine, les produits des business soient disponibles. Pour la France, on a quelqu'un qui distribue sur la France maintenant. On est en train de stabiliser progressivement. C'est Paris seulement. Donc, je suis en train de faire de mon mieux pour que vous puissiez de temps en temps venir chercher les petits produits. Genre, que si tu veux venir chercher, donne-moi tout, tu viens à Paris seulement. Si on te poste ailleurs, tu vas payer l'envoi peut-être de 8 euros, 9 euros. Parfois, c'est 9 euros pour poster. Tu commences une activité. Parfois, l'enfant tombe malade. Tu t'es lancé sur un chantier. La moitié de l'argent, la maladie prend. Tu es bloqué, hein? C'est bon. C'était bon. Tu passes encore 5 ans. Non, mamie, on t'a attaché. Là où tu es là, tu es attaché. Et il n'y a rien de plus pire que d'être attaché, de savoir qu'on est attaché, et de ne pas savoir qu'on peut faire quelque chose pour sortir de ça. Prenez le numéro, vous écrivez sur WhatsApp. C'est quand vous payez qu'on vous met en contact avec la personne pour qui vous livre. Ou bien vous rencontrez quelque part sur Paris. Vous me suivez, non? Parce que c'est que vous dérangez aussi très souvent les personnes qui travaillent pour moi. Donne le numéro à nouveau. 237. Si tu es au Bénin, prends le numéro aussi. Je vous parle depuis. Peu importe le pays. N'est-ce pas, tu peux être au Bénin, tu m'écris au Cameroun. Pourquoi vous exagérez comme ça? Vous faites aussi comme si... 237. 693. 50. 22. 66.
que le Seigneur te révèle ce que tu dois faire pour sortir de là où tu es. Cherchez les orphelinats, vous partez faire les dons là-bas, s'il vous plaît. Dans les pays respectifs où nous travaillons, on va faire une descente ce samedi. Si vous voulez nous rejoindre, vous venez. J'ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir la main. Tu sais que quand le Seigneur te montre quelque chose, il a montré non. Maintenant, il faut que tu aies le discernement pour pouvoir prendre action avec ce que tu as vu. Parfois, tu connais que c'est la personne. Oh, je sais que je vais même vous faire comment. Tu découvres un fétiche en bas du lit, que c'est ton mari ou c'est ta femme qui a mis. C'est évident, non? C'est évident qu'on te bloque, non? N'est-ce pas? Tu prends, tu viens lui montrer, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? La personne commence à te dire que non, ouais, tu sais. Le lendemain, tu es encore là. Le lendemain. Qu'est-ce que la personne va faire à ton avis? Il va partir renforcé. Elle a découvert le premier, pardon, il faut faire encore même trois autres. Il faut faire trois autres, on part en dépôt sur trois endroits là où on ne peut pas voir. Je viens vous détacher, je vous désenvoûte. Je vous sors des trous dans lesquels on vous a déposé. Tout ennemi de votre destinée qui essaie d'approcher de vous comme un ami et il est en train de vous bloquer aujourd'hui, quelle que soit la forme la plus subtile, que le Seigneur des armées vous défende, et qu'il vous montre clairement. Et quand tu vois, je déclare que ton cœur est solidifié. Tu vas aller pleurer, tu pleures tellement que tu oublies que tu dois fuir. Tu vois le monstre au lieu de oh, donc c'était toi, donc c'était toi, fuis. Donc c'est toi qui me faisais ça, fuis. Hein? Je ne pouvais pas imaginer. Fuis. Recevez la grâce pour être sage. Je déclare que vous n'allez pas être amer. Je déclare que si vous découvrez, ce que vous découvrez ne va pas vous rendre amer, aigri. Mais je vous donne la capacité d'avancer. De vous libérer. Je vous défends contre vos adversaires. Je combats toute personne qui vous combat. Je sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Si vous envoyez 20 600, vous mettez les frais de retrait. Donc vous envoyez 21 000, s'il vous plaît, en passant. Envoyez 21 000 francs. C'est moi, je vous connais. Attendez, je fais un voice pour les autres aussi. Je vous sors de tout trou dans lequel vous avez été déposé par l'ennemi. Je combats toute personne qui vous combat, que ce soit en cachette, que ce soit physiquement. Quand tu reçois ce message, quand tu écoutes ceci, que l'ange Michael se lève, je tranche la tête de tous les Goliaths de ta vie.
Je les expose un à un. Je combats ceux qui te combattent. Parfois, tu restes quelque part comme ça, là, tu sens... Tu ne sais pas pourquoi, tu sens tellement l'adversité dans ton corps. Parce que tu es combattu. Tu es combattu. Je déclare que le Seigneur se lève pour vous secourir. Je brandis la lance et le javelot contre tous tes persécuteurs, un à un. Ceux qui sont cachés, ceux que tu connais, mais que tu croyais que tu ne pouvais rien. Je fortifie ta main, que cette main puisse combattre et mettre à terre toutes les personnes qui te veulent du mal. Ouvre la bouche. Tu déclares, je combats tous mes ennemis. Je déclare la chute de tous mes ennemis. Que tous ceux qui me détestent sans raison tombent. J'envoie la honte et la confusion sur tous ceux qui veulent me bloquer. J'envoie la honte et la confusion, ouvre la bouche, virgule, sur toutes les personnes qui veulent me bloquer. Je remonte dans le temps. Toute incantation faite, quel que soit le nombre d'années avant maintenant. Ouvrez la bouche, vous parlez. Les rituels, les incantations qui ont été faites pour me bloquer, il y a de cela 10, 15, 20, 30, 50 ans, même avant ma naissance. Je déterre ces rituels. Je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit qu'on jeûne aujourd'hui pour 3 jours. 3 jours de jeûne spécial. On a jeûné hier, normalement, on continue aujourd'hui. Tout animal spirituel qu'on a envoyé pour t'attaquer la nuit. Tu sens les animaux marcher dans ta maison, tu ne les trouves jamais. Je leur commande de sortir de ta maison pour ne plus jamais revenir. Les combats qui se passent sur ton toit. À partir d'aujourd'hui, ton toit devient comme le feu pour tout démon qui va vouloir atterrir sur ton toit. Le feu du Saint-Esprit les brûle. Que tous tes ennemis soient honteux. Je mets la confusion dans leur esprit. J'envoie la confusion dans l'esprit de tes ennemis. Tout ce dont tu manquais, reçois. Je te remets ton vêtement initial que tu avais à la création. Je remets ta puissance divine. Je dois faire des foulards. Vous voyez que je porte souvent des foulards, non? Il y a une femme ici, on t'a dit depuis de t'habiller en blanc, tu résistes, tu tournes. Je vais bénir ces foulards-là, les personnes sauront. Celui qui, ce que c'est pour lui, il connaîtra. Dans ton moment de prière, il y a des habits que tu dois porter. Je viens remettre ton vêtement qui a été enlevé. Je te le remets. Que toute personne qui pense du mal de toi, toute personne qui médite ta perte, toute personne qui est jaloux de toi, toute personne qui a osé parler contre toi, écoute cette parole. Je retourne toutes leurs pensées négatives à ces personnes. Je déclare la honte sur ces personnes. L'opprobre, l'ignominie. Que
que la génération à venir est toujours honte. Que leurs intentions qui t'avaient touché soient annulées. Je fortifie ton esprit, toi qui m'écoutes. Je parle comme ça, ça pénètre ton cœur. Je déclare la lucidité sur toi. Tu es vif. Je vois que c'est quand tu étais jeune. Tu étais toujours vif. Tac, tu fais tout. Tac, 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 comme un soldat. Maintenant, tu es couché au lit, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Je te détache le corps. Je te détache le corps. Je te détache le corps. Le corps qui fait mal là. Achetez l'huile de blindage. Tu te masses le corps avec. Je sais que vous allez m'écouter 10 ans, vous n'avez jamais acheté mes produits. Il y a l'autre qu'on fait avec la prière, il y a l'autre qu'on fait avec les produits. Je vous dis. C'est le jour où tu vas mettre un produit spirituel sur toi que tu vas comprendre que le produit spirituel, celui qui a fait ça n'était pas bête. Tu te masses le corps avec. Donc le numéro c'est le 237 693 50 22 66. Sur WhatsApp, vous nous écrivez. Et bien dit, on livre dans tous les pays par DHL. La consultation rapide, c'est 22 000. Plus tard, quand tu commences déjà à utiliser mes produits, là, tu peux me parler. L'autre, là, c'est 80 000. Quand tu me regardes sans avoir acheté mes produits, achète d'abord un produit, tu commences à travailler sur toi. Si tu ne veux pas acheter, lave-toi au sel. Ou tu te laves au pipi. Si tu fais le sel et le pipi, tu ne vois pas un petit changement, ne me contacte pas. L'huile de blindage, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 25 000 même. Il y a les gens qui sont accro à l'huile de blindage, ils ne peuvent pas vivre sans ça. Donc, c'est les gens qui prennent celui de 25 000. Je déclare que toute personne qui s'est levée contre toi, les gens qui complotent, parfois tu as les employés, hein, quand tu n'es pas là, ils s'asseyent, parlent mal de toi. Tout employé qui a parlé mal contre toi là, je retourne ses paroles négatives contre lui, multipliées par mille. Tout endroit s'est assis pour gâter ton nom. Je te restaure. Je relance tes activités. Sois honteux et confus ceux qui méditent ta perte. Que leur route soit ténébreuse, qu'ils ne voient pas devant. Qu'ils ne voient pas devant. Les collaborateurs là, quand tu travailles bien, le patron t'apprécie, ça devient les problèmes. Qu'ils aient honte. Que leur route soit ténébreuse. Que leur futur soit instable. Et que le tien soit stable. Ange de l'Éternel, ange Michael, poursuis-les. Qu'il n'ait pas de répit dans leurs rêves, dans leur vie. Et nous demandons ta miséricorde, Père, s'il y a des choses que nous avons faites qui ne te plaisent pas. Toute accusation portée par l'ennemi devant toi, Papa,
nous concernant, nous annulons ces accusations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute accusation dont vous avez été victime, s'il vous plaît, ça, le production, j'ai parlé des foulards. Vous devez me chercher les foulards. Foulards blancs. Oui. Il y a quelques personnes qui vont demander ça. Je vais bénir ça quand j'arriverai. Les foulards, comme ceux que je vais vous montrer ce dont je parle. On va mettre quelques courriers dessus. N'écris pas comme ça, vous oubliez. Que toute personne qui t'a causé, qui t'a creusé un piège, qui t'a tendu un piège, que ces personnes tombent et périssent. Que la ruine atteigne cette personne à l'improviste. Je déclare ta joie parfaite. Comme tu m'écoutes, je restaure ton ADN. Je te remets la vigueur, reçois la vigueur. Reçois la vigueur. Pour te relever, ta vie n'est pas finie. Hein? Que tes ennemis soient pris dans le filet que eux-mêmes ils ont tendu. Qu'ils tombent et périssent. Je commande la mort de toute personne qui s'est dressée sur ton chemin. Toute personne que dans ton enfance il t'a bloqué. Et tu es bloqué actuellement, il connaît que c'est lui. Je déclare qu'il tombe. Tu as prié. Ma tante est morte dans la nuit là. Yeah, c'est vraiment triste. Hein? Quelqu'un était assis sur toi, on enlève la personne, tu pleures. Hein? Le lavage business, c'est 10 600. Maintenant, la personne prend ça en prenant le lavage normal et business. Donc, ça fait 20 600, c'est deux travails sur la personne. Ok? Le lavage normal et protection business. Donc, dis-moi lavage business, je connais les deux choses qu'elle fait sur la personne. Ça, c'est 20 600. C'est différent du rituel pour couper les cordes avec les personnes du passé. Ou les personnes qui nous bloquaient. Toute accusation qui s'est levée sur vous. On t'accuse, tu ne connais même pas. Et les plus pires des accusations, c'est quand on te juge, on te condamne. Hein. Tu n'étais même pas là. Tu ne connais même pas. J'expose les choses qu'on a dites sur toi depuis longtemps. Tu veux m'envoyer les photos récentes, pourquoi? Les photos anciennes, pourquoi? Hé, hey, Josiane, ne m'embête pas. Hein. Ton enfant a 10 ans, tu veux m'envoyer la photo quand elle avait 2 ans, pourquoi? Mais arrêtez. Faut pas m'embêter, pardon. Tu veux charger ton enfant, envoie mes photos récentes. On te juge. C'est 2 ans plus tard que tu apprends que ton patron là, il avait subitement changé avec toi. Il t'avait même renvoyé parce que une de tes collaboratrices était venue, elle a
Elle a fait le jugement. Elle a ouvert le procès. Elle a ouvert le procès. Tout procès qu'on a lancé sur toi. Tu vois, la personne change de comportement. Tu ne comprends pas. Tu parlais bien avec un homme aujourd'hui. Deux jours plus tard, il n'est plus. Parce que quelqu'un est passé derrière et te gâter. J'expose ce qui a été dit. J'expose ce qui a été fait. J'expose qu'on te montre, même si c'est un rêve, ce qu'ils ont dit pendant leur séance d'accusation, leur jugement. J'inverse que tout ce que tu as perdu pendant ce jugement te soit restauré, multiplié par mille au nom de Jésus-Christ. Dieu donné, toute prison dans laquelle vous vous trouvez injustement. Parfois même tu as entré parce que tu étais coupable, mais tu as changé. J'implore la miséricorde. Monsieur le prisonnier, si tu veux me contacter, tu m'envoies ta photo et je travaille sur toi. Tu as compris? Tu ne payes pas. Je vous connais. Vous êtes tellement paresseux. Vous aimez le blocage. Même si il dit que c'est 100 francs, tu ne vas pas payer 100 francs. Même il dit gratuit, tu ne vas pas donner. Tant mieux. Tout procès qu'on avait fait sur toi, même si à cette époque, parce que parfois, quelqu'un a un esprit entre dans toi, tu fais un truc, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. C'est plus tôt. Plus tard, pardon. Tu reviens à toi. Toi-même, tu vois ce qu'on te dit que tu as fait, tu ne crois pas. Toute influence qui a été perpétrée sur ton corps, sur toi, qui fait que ta vie se retrouve comme... Tu es en train de payer. Tu payes pour les erreurs que toi-même tu ne connais pas. Parce que le jour-là, ce n'est pas toi qui étais dans ton corps. J'implore la miséricorde divine. Papa Yahweh, que les personnes qui s'accordent avec moi ici, selon Matthieu 18, au verset 18 et 19, tu as dit que si deux personnes s'accordent, tout ce qu'ils vont demander va leur être donné. Comme tu écoutes la prière ici, élève ta voix. Selon Matthieu 18, au verset 18 et 19, je me détache, répète, je me détache de tout endroit où on m'a attaché. Tout lieu physique ou spirituel où on m'a enfermé, je reçois ma carte de libération, mon ticket de sortie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous sors des secousses spirituelles. La nuit, toi-même, tu sais que là où tu es là, tu connais que tu es manipulé. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Au son de ma voix, toute prison dans laquelle tu es, les labyrinthes spirituels, je vous sors de là. Quand tu m'écoutes, tu retrouves la voix. Ange Michael, libère-les. Ange Michael, libère-les. Ange Michael, libère-les. Ange Michael, libère-les. Sors-les, Ange Michael. Sors-les des trous dans lesquels ils ont été déposés. Les prisons dans lesquelles on les a déposés. La plus pire des prisons, c'est la prison spirituelle. Tu ne connais même pas que tu es en prison. Le numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Le deuxième numéro, c'est le 680 71
0701. Mais un seul numéro, c'est bon. 680-71-0701. Je débloque votre vie. Tu vas te rappeler de ce jour. Je débloque ta vie. Vous savez aussi qu'il y a des personnes qui vivent dans le passé, non? Tu ne peux pas t'empêcher. Tout ce qu'on t'a fait de mal dans le passé, donc tu parles tout le temps. Je te sors de là. Juju, tu me suis depuis au moins 6 mois. C'est aujourd'hui que tu me demandes si on se lave, quand on se lave au sel et au pipi, est-ce qu'on se rince? Hein? Je t'envoie la gifle dans le téléphone. Mouf. Tu prends ton pipi, tu mets le sel dedans. Si tu as le donne-moi tout, tu mets. Tu pries dessus. Tu peux même t'essuyer. Tu prends, tu mets la main dedans. Tu laves le visage. Tu mets la main, tu essuies tout ton corps. Tu t'essuies en priant. Après, ça sèche. Recevez tout argent dont vous avez besoin pour travailler sur vous. On ne met pas l'eau, ceux qui veulent y mettre l'eau. Recevez l'argent dont vous avez besoin. Reçois. Que le Seigneur descende pour vous secourir. Et croyez-moi, le Seigneur est bien effectivement vivant. Il est là. Le Seigneur est là, il agit. Seigneur, que tu puisses avoir accès à nos vies. Par ce jeune Père que tu débloques, les territoires où on devait partir depuis, qu'on nous avait bloqué l'accès. Ouvre papa. Ouvre papa. Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, ça veut dire quoi? Tu as vu quelqu'un qui a dit qu'il s'appelle Dieu? Voilà les prières des gens faibles. Dieu est Dieu. Tu as vu quelqu'un qui s'appelle Dieu? Tu as vu ça dans de quelqu'un a mis Dieu? Que Jocelyne Dieu? Vous avez des paroles vous dites souvent là, ça m'énerve. Ça ne passe pas dans ma tête. Je vous libère de tout ce qui vous a bloqué mentalement. Toute énergie qui est venue vous freiner. Toute mauvaise croyance qu'on vous a déposée pour vous empêcher d'avancer. Ainsi soit-il. Je vais te bloquer, que c'est l'unique Dieu, il est fort. Je vais te bloquer, moi. Attends, j'arrive, attends. Parfois, quand il fait mes choses avec vous, vous croyez que...
Les travaux spirituels se feront en journée. Et j'ai dit la promotion s'arrête à 12h. Tout ce que vous avez reçu ici, je scelle cela dans le sang de Jésus. Par contre, tout ce qui est sorti de votre corps, de votre aura, ne reviendra plus. Tout ce qui est sorti de mauvais ne reviendra plus. Tout ce que vous avez reçu comme apport de bien, je scelle cela dans le sang de Jésus. Je déclare que ça ne partira plus. Toute décision positive que vous avez prise pendant que je priais, que cette décision soit concrétisée. Toute personne qui complote votre perte, que ces personnes ne vous trouvent pas. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Ton pied enfle, il faut acheter les produits. Non, je vends des produits, tu prends l'huile de blindage, tu mets dessus. Parfois, vous négligez votre truc. Tu dis que tu as fait l'accident et ton pied enfle depuis. Je suis sûr que tu vas regarder ton pied enflé, toi, non, n'est-ce pas? Achète l'huile de blindage, tu mets sur ton pied. Et tu te laves au sel et tu payes un lavage de protection. En tout cas, ne travaillez pas sur vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Tu crois que si tu meurs là-bas, on va enterrer 5 personnes. C'est toi seul. Ne vous protégez pas. Hein? Vous avez suivi. Il y a un remède là contre les poisons de nuit là. Quand tu écris, quand tu contactes le numéro, c'est le 693-50-22-66. Tu demandes ça. Demande la poudre jaune. Je ne suis pas là pour les rêves, Erika. Reine Flore, bonjour.